هذا بحال سي تيميروار كي اندرسي لي ليماج هذا ردو بحال هذا الشكل داكوغ عاوتاني جو كونتيني جو بلاي سوغ لا في دو غوش كنشوف كنوصل هاد لو بور هذا كاين ان شونجمون وي دونك جو بروجيت تا هو دو لا ميم فاصون جو لو بروجيت هوريزونتالمون. Encore une fois, je continue. D'abord, je le projette. Ça existe déjà. D'accord? Ouais. Eh bien, ouais. Alors, d'abord. Lequel? Bien, sur la vue de gauche. Alors, je projette que les choses verticales. Je projette que les choses verticales. Mazel. D'abord, je vais faire la lecture des choses horizontales. Les choses horizontales, Hada, c'est déjà projeté. Je descends. Kanosul, Lena, un changement. Le changement, je le projette. Radi Willi, comme ça. Donc, elle est prostituée à l'acte à 45. Radi Willi, Indi, vertical. Je descends encore une fois. Comme cela de la fin, c'est déjà projeté. Alors, d'abord, tout ce qui est visible ou invisible, il est déjà projeté, elle a les deux parties. C'est déjà projeté. Donc, là, j'ai généré l'ensemble des traits. D'accord? D'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je commence à créer les limites matérielles. Donc, là, pour ce faire, je vais utiliser un crayon, un stylo noir. On a pour rendre les choses visibles pour vous, je vais utiliser un stylo noir ou un stylo bleu. Donc d'abord, je vais commencer par naquer du vide. Ça, c'est du vide. D'accord? Ça, c'est du vide. On va dire c'est de la matière. Donc, la vue de face. Head le trait head. Je vous dis quoi? Visible ou invisible? Invisible. Donc, head va être derrière la matière. Et là, je vais me dérouler. Parce que je vais utiliser du rouge. Donc là, parce que c'est très intéressant. Va te chauffer une belle. Heda, c'est. Heda, ça va donner la limite de la matière. Donc il y en a qui est la matière, ou il y en a partiellement qui est le vide. D'accord? Donc il y en a c'est lisse, mais elle est très vertical. Ça de la vue de face. La chose d'abord être vertical, on va faire de la vue de gauche. Un de trait. Est-ce qu'il sera visible ou invisible? La vue de gauche. Visible. Je vais voir un de côté. Je vais voir. Non, je vais voir la partie. Il sera visible. Totalement. Donc, un tracé. Il sera halak. Comme ça. Après, donc à l'indus, les traits verticaux, les indigna, la vue dessus. Hada, est-ce qu'il sera visible ou invisible? LH. Parce qu'il va représenter la partie de notre houblon. Allez, qu'on est interrompu de la sorte. Après, Hada, ça va représenter quoi? C'est un axe, l'axe de le trou houblon, de la partie cylindrique de révolution. Donc c'est un axe. C'est un axe. D'accord? Après, donc là, nous avons terminé avec les traits verticaux. D'abord, on va prendre les traits horizontaux. Avec j'ai la vue de gauche. Head le trait head, ça va représenter quoi? Visible. Il va commencer le head de la partie. Où est-ce qu'il va terminer? Il va terminer lui-même. Head le trait head, elle dit qu'on visible. Elle dit qu'on est là, puis elle dit qu'on est واش تا لهنا ولا تا لهنا؟ تا لهنا باسكو هنا عندي دو فيد باسكو هاد لو فيد هذا سي لو ميم اللي تكرياه دونك هاد لو تخي هذا يسقى فيزيبل ولكن من هنا تا لهنا سولمون سولمون سور لا في دو غوش هانتوما سيل فو بلي هذاك لو تخي سي هو هذا سي سولوي لا غادي يبدا من هنا يعني هذا لو بوان هذا وغادي يسالي هنا
D'accord ? C'est bon. Donc par analogie, les têtes, ça dit qu'on identifie. La Bible est là. On va dire celle-là. La Bible est là ou celle-là ? Elle est très là. C'est celui-là. Ouais. La Bible est là ou celle-là ? D'accord ? Donc la Bible est là. Parce que après, la quille du vide. Elle le vide, elle a la un enlèvement de matière. Après, elle est de très aide. C'est un max. D'accord. Donc, on a la vue de gauche, ça y est. D'abord, la vue de face. Vous la chauffez la vue de dessus pour avoir une idée. La vue de face. Je chauffe la vue de dessus. Elle est très aide. Ça va représenter quoi, Had? Had. Il serait invisible, il va représenter, c'est ça. C'est-à-dire représenter le Had. À la partie qui est de la ou Radia. Mais où est-ce que la matière qui est là? Ça va être de la matière. Il va être de la matière. Donc, il va être un trait invisible. D'accord? Mais le Had, le trait Had. Ça va représenter quoi?